C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot ou ta chemise toute neuve. Ce serait dommage quand même. Donc, mon gars, le film du jour s'intitule La French. Et pour ceux qui suivent Vantard depuis des années déjà, savent que quand Vantard fait ce style de face, you see this face? You see this motherfucking face? Tu sais que quand Vantard fait ce style de face, mon gars, tu ne trouveras aucun YouTuber, podcaster, tout ce qu'il veut qui fait ce style de face. Quand Vantard fait ce style de face, ça annonce un bon présage. Mon gars. Mon gars. Mon gars. Putain de merde. Donc le film La French, je m'attendais à un bon film. Tu vois, je m'attendais à un bon film. Mais là, je peux te dire que le film m'a estomaqué. Le film m'a mis KO. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je l'avoue, je me confie, mon gars. J'étais pas prêt, non, mon gars. Oh là là là. La French. La French. Tu vois déjà, quand j'avais vu l'affiche avec Jean Dujardin comme ça, t'as vu, il a mis deux doigts. Hein. Jean Dujardin comme as, style de pâte, t'as vu, style de pâte coupé au cutter, ce style d'élégance et ce swag, ce style de groove et de swing des années 70. Aïe, 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 aïe. Non, mon gars, non. Oh là là, nigga. Et là, on va te parler, c'est pas du French cancan ou de la French manucure. C'est la motherfucking French Connection. Nègue, motherfucking French Connection. Là où Marseille était la plus grande plaque tournante de coke, de shit, de tu vois ce que je veux dire. Il y avait des bails avec les États-Unis, la DEA et tout, mon gars. Oh là là. Lourd, lourd. Tu n'es pas prêt pour ce genre de bail. Tu n'es pas prêt pour ce genre de fresque épique et titanesque de 2h15. Bon, mon gars, par où commencer, je ne sais guère. Écoute-moi bien. Donc le film est librement inspiré de faits réels, tu vois ce que je veux dire. On te parle de la véracité des faits, tu vois ce que je veux dire. Des vrais bails qui sont arrivés ici même en France. Et je peux te dire, mon gars, que ça a défouraillé et que les cadavres se sont empilés. Que la coke a fait des ravages, des overdoses par centaines de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bon, mon gars, écoute. Au casting de ce film, tu retrouves l'excellent Jean Dujardin. Qui prouve une fois de plus que même si le mec, pendant des années, on l'a vu faire Chouchou et Loulou, on l'a vu quand même à plusieurs reprises, tu vois, même dans les OSS 117, The Artist, bon, il a ce style de palette de jeu large, tu vois ce que je veux dire, mais là, il est vraiment dans un registre un peu plus sérieux, un peu plus grave, et il a démontré une fois de plus qu'on pouvait compter sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Le mec a l'air insolide. Le mec est hal. Le mec a de la prestance, du charisme et du panache. Et il peut alterner film un peu plus léger, comédie, nanani et des vrais bails sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Là, le mec, vraie présence, vrai swag. Vraiment, le swag est trop sexy, mon gars. Vraiment, le swag est trop sexy. Donc, tu retrouves Jean Dujardin, qui est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Tu retrouves Gilles Lelouch, Benoît Magimel. Et voilà, tu retrouves aussi bon, ça c'est les têtes d'affiche, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, l'ensemble du casting performe, mon gars. Donc l'histoire de la French Connection, ou l'histoire de cet homme qui est interprété par Jean Dujardin, qui s'appelle le juge François Pierre Georges Jean, je sais plus, de toute façon on s'en bat les couilles, c'est sans importance. C'est cet homme incorruptible, digne, droit, qui a des valeurs, qui va traquer Gilles Lelouch sans merci pendant ces 2h15, qui va vraiment vouloir, mettre fin à toutes ces opérations qui causent perte et fracas dans Marseille, tu vois ce que je veux dire. Et oh là là, mon gars, le mec est déter, mon gars, vraiment, on va essayer de l'acheter, on va le menacer. Le mec ne va pas faillir, ne va pas, tu vois ce que je veux dire, vraiment le mec va rester droit,
tel un goéland. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mon gars, le bail est sérieux. Le bail est sérieux. Et Gilles Lellouche, qui joue le mec du clan Zampa, tout ça et tout, tu vois, French Connection, années 70 et tout, ce style de mafia corse, de mafia napolitaine. Mon gars, corruption dans tous les sens. Corruption dans tous les sens. Dans la police, dans la politique, nanani, des bails de trahison, des bails de corruption, des bails d'expédition punitive. Non, négé! Des bails de Kalachnikov, tu vois ce que je veux dire? Non, mon gars, le film est lourd, le film est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ne soit même pas. Tu vois, tu vas dire, ouais, mais il dure 2 heures et quart et tout, mon gars. Le suspense est haletant. Le suspense est haletant. Le suspense te prend aux tripes. L'étau se resserre. L'étau se resserre, mon gars. Y aura-t-il un happy end? Y aura-t-il pas de happy end? C'est ce que tu découvriras si tu vas voir ce film Motherfucking La French, mon gars. C'est ce genre de film, tu vois, il faut soutenir. Ça vient de chez nous, mon gars. Ça vient de chez nous. Il faut être chauvin, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois ce genre de film épique, ce style de fresque titanesque, je peux te dire que, mon gars, on n'a rien à envier au cinéma hollywoodien. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le bail à son maximum. Vraiment. La French, tu vois, je savais que j'allais kiffer. Mais là, mon gars, je t'annonce direct que c'est l'un des meilleurs films de 2014. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui disent: Oh, le malheureux, il a blasphémé le Seigneur. Mon gars, je te l'annonce dans cette vidéo, carrément, je m'en bats les steaks, je m'en bats les reins. L'un des meilleurs films de 2014. Direct, mon gars. La French. Écoute-moi bien. Dans ce film, Benoît Magimel. Déjà, regarde, mon gars, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ah là là, il y a tellement de choses à dire. Déjà, Jean Dujardin est trop déter. Tu vois, vraiment, il a ce style de détermination. Le mec est incorruptible. Et je peux te dire que là, mon gars, les corruptions, là, ça y allait à coups de billets et compagnie. Lui, il était incorruptible. Mon gars, le mec est tellement chaud. Le mec est tellement chaud. On l'appelait le juge Bernard, Paul, Jacques, je sais plus. AKA le cow-boy. Mon gars, le mec, AKA le cow-boy. Tu sais ce que je veux dire? Le mec s'est jamais servi d'une arme. Mais le mec, tellement il roulait des mécaniques, il mettait des coups de pression verbale et compagnie. Le mec, on l'appelait le cow-boy. À un moment, il va traverser l'Atlantique, il va aller aux États-Unis, il va aller dans les bureaux de la DEA. T'as vu des bails de collaboration franco-américaine? Et les mecs, ils disent: Eh, hey, t'es mal, les gars! C'est le cow-boy, the French man, the cow-boy, le cow-boy français. Tellement le gars était efficace, tellement le gars était redoutable, tellement le mec a foutu des mecs au trou. Voilà, le mec était redoutable. Le mec, on l'appelait le cow-boy. Le gars roulait des mécaniques, il avait même pas le temps de blaguer. Des fois, il a des petits entretiens avec des petits malfrats, des petites frappes. Il fait: Ah ouais, c'est comme ça? Eh ben, vu que tu me parles comme ça, je te mettrai la peine maximum, mon gars. Tu feras moins le malin. Tu feras moins le malin, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il est tellement déter à traquer Gilles Lellouche pendant tout le film. Le mec est tellement obstiné. Le mec est tellement déterminé. Le mec, ça en devient maladif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même à un moment, sa femme, elle lui dit: Mais tu penses trop à lui, t'es amoureux, quoi. Limite, même quand tu me baises, tu prononces. Tu vois, le mec, il dort pas. C'est une partie d'échec très serrée. Il veut le coincer, tu vois? Mais comme il y a des bails de corruption de tous les côtés, des fois, Gilles Lellouche a un tour ou deux tours d'avance. Il anticipe. Des fois, on le prévient sur des coups et compagnie. Et Jean Dujardin arrive in extremis et tout. Des fois, ça se joue à un poil de bite. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, la traque, il va le traquer sans relâche. Tu vois, il va être obsédé des face à face de légende. Ils vont s'affronter dans des joutes verbales à base de punchline. Des face à face de. Mon gars. Les face à face de. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il doit y avoir deux ou trois face à face. De Gilles Lellouche et Jean Dujardin, mon gars, c'est des face-à-face de légende. C'est des répliques cultes, des coups de pression légendaires. On se regarde dans les yeux. Ah là là, tu vois, et Gilles Lellouche, ça le démange de flinguer Jean Dujardin, mais il y avait tellement ce style de respect mutuel. Ah là là, mon gars, des luttes, mon gars, des luttes. Bon, écoute-moi bien. Donc, je t'ai dit déjà, Jean Dujardin, dans ce film, il est impitoyable. Il est impitoyable. Gilles Lellouche, je t'en raconte même pas, c'est lui le boss de la mafia napolitaine. Lui, il en a rien à foutre, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu lui sers sa bouteille d'eau, si la bouteille d'eau n'est pas fraîche, il te défonce ta rhum, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, des bails impitoyables. Et après, mon gars, mention spéciale, une petite mention spéciale à mon gars sûr, Benoît Magimel. Mon gars, écoute-moi bien, dans le film,
Tu vois, ils ont tous des blazes, des surnoms, des a.k.a., tout ça. T'as vu, va pas croire que c'est le rap, tu vois. Ibrahim, a.k.a. Vantard, les a.k.a. et les nicknames existaient déjà depuis les années 70 et même bien avant. Mon gars, dans le film Benoît Magimel, il s'appelle Benoît Magimel, a.k.a. le fou. Le fou, mon gars, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mon gars, le gars est fou. Le gars, on l'a dit, le mec, a.k.a. le fou. C'est-à-dire le mec, il est instable, il te tue gratuitement pour le plaisir et tout. Le mec s'appelle le fou. Eh ben, mon gars, je peux te dire. Je peux te dire et de... Tu vois, quand Vantard se dandine de la sorte, je peux te dire que quand il y a un rappeur qui va voir ce motherfucking movie qui s'appelle La French, dans les années à venir, tu vas entendre un rappeur qui va dire, moi, je suis déter. Je suis déter comme le fou. Dans le film La French, mon gars, le fou est trop déterminé. Il a plus rien à perdre, il en a rien à foutre. Ce style de décorché vif, de tête brûlée, même il y a un escadron devant lui de 800 mecs, il y va direct avec ses deux pétards. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle le fou, je tire dans le tas, je tue, je rase, j'exécute. Oh là là, mon gars, ce style de détermination. Oh là là. Mon gars. Et après, du coup. Vu qu'il y a des bails de corruption dans tous les sens, Jean Dujardin, il va devoir feinter tel un roublard. Tu vois ce que je veux dire? Et lui-même, il va s'entourer d'une espèce d'équipe, la fine équipe, comme le dirait l'autre. Et ça va être une espèce de cellule secrète, Tarled The Wire. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui ont vu leur classique et qui connaissent cette série légendaire de HBO, The Wire, il va monter une espèce de team secrète. Ce sera des bails d'écoute. Des bails d'expédition punitive et compagnie, mais à la sauce de Jean Dujardin, mon gars. Le film est trop sérieux. Oh là là. Le film tient toutes ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le film m'a tellement giflé, le film m'a tellement rassasié, au-delà même de mes espérances les plus folles, que dès que j'aurai terminé cette vidéo, je vais replonger dans mes classiques. Je vais aller voir les archives, les bails de fait entrer l'accusé sur la French Connection. T'as vu cette semaine, il y a un reportage qui est passé sur la 3, sur la French Connection. Malheureusement, je l'ai raté parce que je regardais, il me semble que j'ai regardé le reportage sur Lionel Messi qui passait sur l'équipe 21. Mais je peux te dire que je vais aller de ce pas, aller sur le replay et regarder tout ce qui touche à la French Connection. Maintenant, je suis devenu un petit fanatique. Je veux me passionner, je veux voir les images d'archives, je veux voir les vraies gueules des personnages, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, mon gars, chapeau bas, mon gars, le film La French a tenu toutes ses promesses. Et bien au-delà, tu vois ce que je veux dire. Et je t'ai dit, il faut être chauvin, il faut être patriotique, il faut soutenir, tu vois ce que je veux dire. Le film, vraiment, il mérite. Vraiment, il... La French, tu vois, il y aura un avant, un après. Ce film rentre dans la légende de ce style de polar. Des vrais polars sérieux des années 70, des bails des années 80, tu vois ce que je veux dire. Et je t'ai même pas parlé des décors, de l'ambiance, ce style de swag, ce style d'élégance de l'ambiance, la BO, tu vois ce que je veux dire, quand ils vont en boîte de nuit, qui commencent à danser sur des bails de Mike Brandt et tout. C'est pour ça que je t'aime. Tous ces bails, tout ça et tout. Oh là là, mon gars. Le bail est trop sérieux. Gilles Lellouche, Jean Dujardin. Benoît Magimel, là, 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 mon gars, le casting est tellement soigné, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, tu connais ce dicton légendaire. Nega! Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, mon gars. Tu peux y aller, cours, fonce. C'est l'un des meilleurs films de 2014. Face à face de légende. Trac infernal, trac impitoyable, punchline. Défouraillage, Kalachnikov Uzi silencieux, mon gars, des bails de bécane, je monte au feu rouge, drra, drra, et en plus, mon gars, les bails de la French Connection, oh là là, mon gars, les gars étaient sérieux, les gars étaient déter, ça veut dire que nous, des bails, enfin nous, c'est façon de parler, tu vois, on va tuer le gars, on va lui tirer une balle, pam, pam, tu vois, genre deux balles, et bon, si tu l'as mis une balle dans la tête, le mec, il est mort. Mon gars, là, les gars étaient trop déter. Les gars étaient trop déter. Le gars te tire une balle dans la tête, il sort une calache et il te met 800 balles après, il t'arrose. Tu vois, vraiment des bails d'arrosage. Tu vois, tout ça pour dire qu'après, il appelle, il fait, bon, ils ont eu Bébert. Mon gars, ils ont eu Bébert, ils l'ont trucidé, ils lui ont foutu 800 pruneaux dans la gueule. Tu vois, vraiment, pour t'assurer que le mec était mort, cliniquement mort,
vraiment des bails d'arrosage. Drrrri, 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 tu vois, les bails d'arrosage, tu vois, les mecs sans pitié. C'est, tu vois, c'est-à-dire, laisse le mec mourir, laisse le mec s'étouffer dans son sang, de mourir avec panache et dignité. Non, là, les gars, ils n'avaient pas le temps. Il vide un chargeur, il prend ton temps, il te regarde agoniser avec le sourire, il remet un chargeur. Mon gars, le bail est trop sérieux. Le bail est trop sérieux. Ça s'appelle La French. Ne le ratez pas. Si t'as raté ce film cette année, t'as raté ta vie, mon gars. Ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Il faut être chauvin, il faut être patriotique. C'est bien fait. Le mec a fait le taf. Le mec a fait le job. Vraiment. Mise en scène nerveuse. Système suspense haletant. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dénouement final. Ah, là. Et l'ensemble du casting performe, tu vois. Et au-delà même de Jean Dujardin, de Jean Dujardin, de Gilles Lelouch et de Benoît Magimel, toutes les petites frappes, tous les caïds qu'ils ont pris pour jouer dans ce film, mon gars, c'est un vrai casting de gueule. Tu vois, vraiment, le mec a la gueule de l'emploi avant même de parler, avant même de sortir le calibre, des vraies gueules taillées, tu vois ce que je veux dire, vraiment la vraie gueule de l'emploi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, le film est lourd de dingue, mon gars, je t'ai dit, dès que je vais raccrocher là, tous les bails de French Connection, je vais me mettre en petit fanatique. Je veux savoir qui était le juge, qui a coffré qui a fait quoi. Mais mon gars, lourd, lourd. Vraiment, ils ont donné les lettres de noblesse à la French Connection. Tu vois ce que je veux dire? Le clan Zampa, le juge Morel, le juge je sais pas qui. Des vrais bails sérieux, mon gars. Donc voilà, c'était tout pour moi. On en est déjà à presque 17 minutes. Si ça tenait qu'à moi, je t'en parlerais pendant une demi-heure. Mon gars, le film est lourd. Il faut que je te le dise en quelle langue. Ne le rate pas. S'il se joue dans un cinéma à côté de chez toi, le film s'appelle La French.